Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le calcul de l'impôt applicable sur le revenu d'entreprise. Ainsi, comme vous pouvez le voir à l'écran, le calcul de l'impôt est la dernière étape dans une déclaration de revenus d'une société. Évidemment, cette dernière étape doit être complétée lorsque les deux étapes préalables ont été terminées, à savoir le calcul du revenu au sens fiscal, qui est symbolisé dans le volume par la couleur bleue, ainsi que le calcul du revenu imposable, symbolisé dans le volume par la couleur verte. Plus précisément, pour une société, le calcul de l'impôt se divise en trois parties à savoir deux impôts qui sont payables par la société au gouvernement, et le troisième impôt, à l'inverse, est un impôt remboursable. C'est donc dire que c'est un montant que le gouvernement remet à la société. Ainsi, comme vous pouvez le voir à l'écran, l'impôt de la partie 1, applicable sur le revenu imposable de la société, a comme rôle d'imposer à la fois le revenu d'entreprise et le revenu de placement gagné par la société. Dans un deuxième temps, l'impôt de la partie 4, lui, s'applique uniquement sur les revenus-dividendes provenant de sociétés canadiennes imposables. Et finalement, le remboursement hôte de dividendes est obtenu par une société sous certaines conditions. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la présente capsule vidéo porte exclusivement sur l'impôt de la partie 1, applicable sur le revenu d'entreprise. Ainsi, comme vous pouvez le voir à l'écran, si on regarde de plus près les composantes de l'impôt de la partie 1, le calcul débute avec le montant de revenu imposable obtenu par la société en complétant la section qui s'appelle le calcul du revenu imposable. La première étape consiste à appliquer un impôt au taux de 28 sur le revenu imposable de la société. Ensuite, ce revenu imposable doit être séparé en deux composantes. La composante de revenu d'entreprise exploité activement et la composante de revenu de placement total. Le traitement fiscal applicable est différent sur chacune de ces deux composantes. La présente capsule vidéo porte exclusivement sur l'impôt applicable sur le revenu d'entreprise. Donc, comme vous pouvez le voir à gauche de l'écran, la première étape consiste à appliquer un rabais d'impôt de 19% sur la composante de revenu d'entreprise. Ce rabais d'impôt s'appelle la déduction accordée aux petites entreprises ou DAPE. La deuxième étape consiste à appliquer un rabais d'impôt de 13% sur la portion de REEA qui n'a pas donné droit au rabais d'impôt de 19%. Ce rabais d'impôt s'appelle la déduction d'impôt général, DIG. Comme vous pouvez le remarquer à l'écran, ces deux rabais d'impôt ne peuvent pas se superposer. C'est donc dire qu'une partie du REEA donne droit à un rabais d'impôt de 19%. Et s'il reste une partie de REEA qui n'a pas été éligible au rabais d'impôt de 19%, dans ce contexte, le rabais d'impôt de 13% s'applique sur cette composante. Finalement, j'attire votre attention sur le fait que les rabais d'impôts ne s'appliquent pas à la composante revenu de placement total. Allons voir de plus près le fonctionnement de ces deux rabais d'impôts, applicables sur le revenu d'entreprise seulement. Le premier rabais d'impôt applicable sur le revenu d'entreprise est la déduction accordée aux petites entreprises. Sommairement, on peut dire qu'il s'agit d'un rabais d'impôt applicable sur une partie du revenu d'entreprise. Plus précisément, pour avoir droit à la déduction accordée aux petites entreprises, la société doit se qualifier de société privée sous contrôle canadien. Je vous rappelle qu'une SPCC est une société privée, donc une société qui n'est pas publique, dont les actions ne sont pas cotées à une bourse et dont le contrôle est canadien. C'est donc dire que plus de 50% des actions votantes appartiennent à des Canadiens. Et comme vous pouvez le voir dans le milieu de l'écran, techniquement, le calcul de la DAPE se calcule comme étant 19% du moindre de trois montants. Premièrement, le montant de revenus d'entreprises exploitées activement, le REEA, qui sera défini dans quelques instants. Le deuxième montant, c'est le revenu imposable de la société obtenue à la fin de la section précédente. Et le troisième montant est la limite de 500 000 qu'on appelle le plafond des affaires. Cette limite de 500 000 doit être partagée entre les sociétés qu'on appelle des sociétés associées. Nous allons revenir sur cette notion dans quelques instants tel que vous le voyez actuellement à l'écran, la définition de REEA, avec ses différentes composantes. Cette définition est importante, puisque c'est le montant de REEA qui se qualifie au rabais d'impôt de 19 La première partie de la définition nous rappelle que dans le REEA, on y inclut tous les revenus d'entreprise réalisés par la société. Il faut porter une attention particulière à la situation où une société aurait gagné une partie de son revenu d'entreprise à l'extérieur du Canada. Donc, si une partie du revenu d'entreprise est gagnée par une place d'affaires ou une succursale ou un bureau qui est situé à l'extérieur du Canada, conséquemment, cette partie de revenu d'entreprise ne se qualifie pas de REEA et ne donnera pas droit au rabais d'impôt de 19%. La deuxième partie de la définition nous rappelle aussi que l'on doit inclure dans le REEA tout le revenu d'entreprise qui serait gagné par une société de personnes pour lesquelles la société a des parts. Je vous rappelle qu'une société de personnes est une forme juridique particulière et lorsqu'une société de personnes est mise en place, cette dernière n'est pas considérée comme un contribuable distinct. C'est donc dire qu'elle ne doit pas produire de rapport d'impôt. Le revenu d'entreprise réalisé par la société de personnes doit plutôt être inclus dans la déclaration de revenus des contribuables qui détiennent des parts dans la société de personnes. On les appelle des associés. Advenant le cas où une société par action, justement, détient des parts dans une société de personnes. Conséquemment, elle doit inclure le revenu d'entreprise qui lui serait attribué de la société de personnes en respectant la limite que vous voyez présentement à l'écran. Donc, le montant ne peut pas excéder le résultat de la formule suivante, soit le pourcentage de participation que la société détient dans le revenu de la société de personnes, fois un montant de 500 000 Si le montant provenant de la société de personnes dépasse le résultat de cette formule, l'excédent ne se qualifie pas de REEA pour la société en cause et ne donnera pas droit au rabais d'impôt de 19%. Finalement, comme vous pouvez le voir dans le bas de la définition, est aussi inclus dans la définition de REEA certains revenus de biens que l'on juge accessoires à l'exploitation de l'entreprise. À titre d'exemple, un revenu d'intérêt généré par un fonds de roulement utilisé pour les besoins de l'entreprise ou un revenu d'intérêt très temporaire généré par le placement de liquidités excédentaires. L'idée derrière cette notion est de considérer le fait que certains petits revenus de biens sont inévitables lorsque l'on opère une entreprise. Conséquemment, il est judicieux d'imposer ces petits revenus de biens qui sont occasionnés par les opérations d'entreprise comme s'ils étaient du revenu d'entreprise, plutôt que les imposer comme étant du revenu de placement. Revenons à la formule de calcul de la DAPE. Le troisième élément est une limite de 500 000 qui s'appelle le plafond des affaires. Pour des sociétés appartenant au même groupe, ce que l'on appelle en fiscalité des sociétés associées, ces sociétés se voient attribuer une seule limite de 500 000 qui doit être partagée obligatoirement entre toutes les sociétés associées. Ce sont les dirigeants de l'entreprise qui décident comment ils souhaitent faire cette répartition. Ainsi, si une société réalise du revenu d'entreprise au-delà de la limite de 500 000 ou de la portion du 500 000 qui lui a été attribuée. Conséquemment, le rabais d'impôt de 19% ne s'applique pas sur cet excédent. Ainsi, allons voir la définition de société associée. Cinq situations sont prévues dans la loi de l'impôt rendant des sociétés associées et conséquemment obligeant les dirigeants à se partager une seule limite de 500 000 entre toutes les sociétés. Allons voir chacune de ces cinq situations. La première situation dit que deux sociétés sont associées si une société contrôle l'autre société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit. Ainsi, si vous regardez l'organigramme qui est à gauche, la société 1 est associée à la société 2, puisque la société 1 contrôle la société 2. Ici, la notion de contrôle fait référence au fait de détenir plus de 50% des actions votantes. Regardez maintenant l'organigramme à droite. Dans cette situation, évidemment, la société 1 contrôle la société 2. Ça va de soi, mais la société 1 contrôle aussi la société 3. C'est ce que l'on appelle un contrôle indirect. Puisque la société 1 contrôle la société 2 et que la société 2 elle-même contrôle la société 3, cela fait en sorte que la société 1 indirectement a le contrôle sur les décisions de la société 3. Ainsi, dans cet exemple, les trois sociétés sont associées l'une à l'autre et doivent se partager une seule limite de 500 000 le deuxième test prévoit que deux sociétés sont associées si la même personne ou le même groupe de personnes contrôle les deux sociétés. Donc regardez les organigrammes, donc en commençant par le haut dans le premier organigramme, la société 1 et la société 2 sont associées puisque les deux sociétés sont contrôlées par la même personne, soit monsieur X. Dans l'organigramme à droite, un petit peu plus bas, encore une fois, Société 1 et Société 2 sont associées puisqu'elles sont contrôlées par le même groupe de personnes. Donc, ici, aucun actionnaire contrôle seul les deux sociétés, mais le groupe XY détient 100% des actions votantes dans Société 1 et le même groupe, M. X et M. Y, contrôle 100% des actions de Société 2. Donc, les deux sociétés sont contrôlées par le même groupe de personnes. Le troisième organigramme en bas à gauche illustre aussi la même situation en utilisant le groupe de personnes M. X et M. Y. Le troisième test prévoit que deux sociétés sont associées si la personne qui contrôle l'une des sociétés est liée à la personne qui contrôle l'autre société et si l'une de ces personnes détient au moins 25 des actions émises de chaque société. Donc, si nous regardons l'organigramme Société 1 est contrôlée par M. X Société 2 est contrôlée par Madame X. Ensuite, ces deux actionnaires contrôlant chacun une société sont liés entre eux, soit M. et Mme X, qui sont des conjoints. Finalement, la dernière condition qui doit être rencontrée est qu'un actionnaire doit détenir au moins 25 des actions de chaque société. Ce qui est le cas puisque M. X détient 100 des actions de la société 1 et 25 des actions de la société 2. Conséquemment, les deux sociétés sont associées et ont l'obligation de se partager le plafond des affaires de 500 000 le quatrième test prévoit que deux sociétés sont associées si la personne qui contrôle l'une des sociétés est liée à chaque membre du groupe de personnes qui contrôle l'autre société et que cette personne détient au moins 25% des actions de l'autre société. Donc, d'une part, ici, la société 1 est contrôlée par M. X. D'autre part, la société 2 est contrôlée par le groupe de personnes M. X, Mme X et leur fils qui, ensemble, détiennent 100% des actions de la société 2. Ensuite, il faut vérifier que la personne qui contrôle la première société, M. X, soit liée à toutes les personnes du groupe encerclé en rouge qui contrôlent la société 2. Ce qui est le cas puisque M. X est lié à son fils, M. X est lié à sa femme et M. X est lié à lui-même. Finalement, il faut vérifier le dernier critère qui demande que la personne qui contrôle la première société, soit M. X, doit aussi détenir au moins 25 des actions de l'autre société. Ainsi, puisque M. X détient 27 des actions de Société 2, les deux sociétés sont associées, et conséquemment, les deux sociétés doivent se partager le même plafond des affaires. Le dernier test d'association prévoit que deux sociétés sont associées si chaque membre du groupe lié qui contrôle l'une des sociétés est lié à tous les membres du groupe lié qui contrôlent l'autre société et que une ou plusieurs personnes membres des deux groupes détiennent, ou ensemble, au moins 25 des actions de chaque société. Donc ici, d'une part, la société 1 est contrôlée par le groupe lié monsieur X, madame X et fille X qui sont encerclés en vert. Ici, la couleur vert au niveau des cercles fait référence à des groupes liés, donc des groupes dont tous les actionnaires sont liés entre eux. Par ailleurs, société 2 est contrôlée par le groupe lié fille et fils. Ensuite, il faut vérifier que tous les membres du premier groupe vert soient liés à tous les membres du deuxième groupe vert. Ce qui est le cas puisque c'est une famille proche, monsieur, madame, ainsi que les deux enfants. Finalement, la dernière condition qui doit être vérifiée est que, dans ce cas-ci, une personne membre des deux cercles, vous le voyez bien, fille est à la fois membre du cercle de gauche et à la fois membre du cercle de droite, fille doit détenir au moins 25 des actions de chaque société. Donc, puisqu'elle détient 50 des actions de la société 2 et 30 des actions de la société 1, Conséquemment, les deux sociétés sont associées et ont l'obligation de se partager le même plafond des affaires. Regardons maintenant l'organigramme dans le bas de l'écran où l'on reprend le même test. Donc, je vais y aller un petit peu plus rapidement parce que c'est exactement la même famille dans la même situation. Seulement quelques pourcentages d'actions ont changé. Donc, la société 1 est contrôlée par les quatre actionnaires liés monsieur, madame, fille et fils. La société 2 est contrôlée par le groupe lié fille et fils. Tout le monde du premier groupe vert est lié à tout le monde du deuxième groupe vert, puisqu'il s'agit de la même famille que tout à l'heure. Et finalement, il faut vérifier dans ce cas-ci que Filles et Fils, les deux ensemble, sont membres des deux groupes. Donc, ensemble, il faut vérifier que ces deux personnes-là détiennent au moins 25 des actions de chaque société. Donc, le groupe Filles et Fils détiennent ensemble 30 des actions de société 1. C'est-à-dire 15% chacun. Et ce même groupe, fille-fils, détiennent ensemble 100% des actions de Société 2, soit 50% chacun. Conséquemment, les deux sociétés sont encore une fois associées et ont l'obligation de se partager le plafond des affaires. Encore une fois, nous allons refaire le même exemple avec une petite variante au niveau de la détention des actions. Donc, c'est le même organigramme que dans l'exemple précédent. Donc, Société 1 est contrôlée par le groupe Monsieur, Madame, fille et fils. Société 2 est contrôlée par le groupe fille-fils. Tout le monde du premier groupe vert est lié à tout le monde du deuxième groupe vert. Et encore une fois, cette fois-ci, filles et fils ensemble doivent détenir au moins 25 des actions de chaque société. Donc, d'une part, filles et fils ensemble détiennent 20 de société dans cet exemple, c'est-à-dire 10 chacun ce qui est insuffisant. Donc dans cet exemple, sociétés 1 et 2 ne seraient pas des sociétés associées et conséquemment ne seraient pas obligées de se partager un seul plafond des affaires, mais plutôt auraient chacune un plafond des affaires de 500 000 Le deuxième rabais d'impôt applicable sur le revenu d'entreprise s'appelle la déduction d'impôt général. Sommairement, on pourrait le résumer en disant que c'est un rabais d'impôt de 13% qui s'applique sur la portion de revenu d'entreprise qui n'a pas donné droit au rabais d'impôt précédent soit la DAPE de 19 Comme vous pouvez le voir à l'écran le calcul technique de la DIG consiste à prendre 13 du résultat de la formule suivante donc on prend le revenu imposable de la société, on lui enlève sa composante de revenu de placement total pour en faire ressortir par différence sa composante de revenu d'entreprise exploitativement. Et de ça, on enlève la portion du REEA qui a déjà été encouragée par le rabais d'impôt précédent, soit le montant de revenu admissible à la DAPE. Je vous rappelle que l'interrelation entre ces deux rabais d'impôt fait en sorte que d'aucune façon, il est possible, sur le même montant de revenu d'entreprise, d'appliquer à la fois le rabais d'impôt de 19 et à la fois le rabais d'impôt de 13 C'est plutôt un ou l'autre. Nous avons vu il y a quelques instants la définition de l'expression REEA. On pourrait dire sommairement que tout ce qui ne se qualifie pas de AEEA -E -E va se qualifier de revenu de placement total. Donc, on va y retrouver comme composante tous les revenus de placement réalisés par la société dans l'année, à l'exception des revenus de dividendes provenant de sociétés canadiennes imposables. Puisque ces revenus de dividendes sont traités distinctement dans le calcul de l'impôt, plus précisément, l'impôt de la partie 4 va imposer ces revenus de dividendes. Le RPT inclut aussi tous les gains en capital imposables réalisés dans l'année net des pertes en capital déductibles, tout comme les pertes en capital déductibles qui se qualifient de PDTPE, pertes déductibles au titre de placement d'entreprise, le cas échéant, ainsi que les pertes en capital nettes, donc, qui seraient déduites dans l'année courante. Je vous rappelle que les PCN sont... Essentiellement, une banque de pertes dans lesquelles la société a mis des pertes en capital déductibles réalisées dans une année antérieure et qu'elle n'a pas pu déduire. Donc, si la société utilise ses pertes en capital net cette année, ce montant vient aussi réduire l'expression revenu de placement total. À la fin du sujet 6 du volume, vous retrouverez un exemple récapitulatif. L'énoncé est présenté sur trois pages. Prenez un instant pour prendre connaissance de l'énoncé. Tout d'abord, il est possible de prendre les informations fournies dans les énoncés et de dresser un organigramme. Cela peut aider à prendre connaissance de l'ensemble de la situation. Le travail à faire, bien sûr, est de calculer l'ensemble de l'impôt pour la société qui s'appelle Boaco Inc. La première étape consiste à calculer le revenu au sens fiscal. Donc, on doit y inclure le revenu d'entreprise gagné dans l'année, les revenus de dividendes provenant de sociétés canadiennes imposables, ainsi que les autres revenus de placement, les revenus d'intérêt essentiellement pour un total de 30 000 ainsi que le gain en capital imposable de montant de 10 000 ce qui donne un revenu de 405 000 la deuxième étape consiste à calculer le revenu imposable. Dans le calcul du revenu imposable pour une société, trois déductions sont possibles. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, une seule déduction s'applique dans notre présent exemple, à savoir la déduction pour les dividendes reçus provenant de sociétés canadiennes imposables. Donc, tel qu'illustré par la couleur jaune, je vous rappelle que ces revenus de dividendes ont déjà été inclus dans le calcul du revenu et qu'un montant correspondant doit aussi être retranché dans le calcul du revenu imposable, afin de faire en sorte que ces revenus de dividendes ne soient pas inclus dans le revenu imposable, puisque l'impôt de la partie 1, applicable sur le revenu imposable, n'a pas comme rôle d'imposer les revenus de dividendes, c'est plutôt l'impôt de la partie 4 qui joue ce rôle. L'étape suivante consiste à calculer l'impôt de la partie 1 pour la société Boaco. La première étape est d'appliquer un impôt au taux de 28% sur le revenu imposable de la société, comme vous pouvez le voir dans le haut de l'écran. Un impôt fédéral de base au taux de 38 est appliqué, duquel est retranché l'abattement d'impôt du Québec de 10 Le calcul du rabais d'impôt, DAPE, doit être calculé, la déduction accordée aux petites entreprises, qui est de 19 du moindre de trois montants, soit le REEA de la société, soit son revenu imposable, ou soit la portion du plafond des affaires de 500 000 qui lui est attribuée. Donc, si nous regardons la définition du REEA, tel que étudié dans le volume, la première composante consiste à prendre le revenu d'entreprise réalisé par Boico, soit 340 000 La deuxième composante consiste à prendre le revenu d'entreprise réalisé par une société de personnes, le cas échéant, qui serait détenu par Boico Incorporé. Ici, il n'y en a pas. Et finalement, la troisième composante est de considérer aussi comme étant du REEA les revenus de biens que l'on juge accessoires à l'exploitation de l'entreprise. Encore ici, aucun indice ne nous laisse entendre qu'il y a de ces montants à inclure dans le REEA. Conséquemment, le montant de REEA pour Boico est de 340 000 Le troisième élément s'appelle le plafond des affaires et constitue ni plus ni moins que la limite applicable au rabais d'impôt de 19 Le plafond des affaires est un montant de 500 000 qui doit être partagé entre les sociétés associées. À cet effet, retournons voir l'organigramme afin de déterminer quelle société est associée à Boico. Tout d'abord, appliquons les tests d'association entre Boico et Topo. Clairement, le premier test est concluant, à savoir que deux sociétés sont associées si l'une contrôle l'autre. Donc, Boico détient 80 des actions votantes dans la société Topo. Conséquemment, en vertu du premier test, les deux sociétés sont associées. Dans le même esprit, il faudrait vérifier si Boico est associé avec Planair et avec Bel Canada. Vous pouvez lire les cinq tests. Vous allez, dans tous les cas, trouver qu'ils sont non concluants. Boico détenant seulement 9 des actions votantes et moins de 1 des actions respectivement dans les sociétés Planaire et Bel Canada. D'aucune façon, ces sociétés sont associées. Conséquemment, le partage du plafond des affaires de 500 000 doit se faire entre les deux sociétés, soit boiko et Topo Incorporé. Je vous rappelle que dans l'énoncé de l'exemple, il est indiqué que les dirigeants d'entreprise font le choix d'attribuer un montant de 120 000 comme portion du plafond des affaires attribué à la société boiko. Ainsi, en conclusion, le rabais d'impôt de 19% s'applique sur le moindre des trois chiffres que vous voyez à l'écran, soit 120 000 Et la DAPE vient réduire l'impôt d'un montant de 22 800 Le deuxième rabais d'impôt s'appelle la déduction d'impôt général. La formule est 13 du revenu imposable de Boisco, duquel on retranche le revenu de placement total de 40 000 et duquel on retranche aussi la composante de REEA qui vient d'être admissible au rabais d'impôt précédent, soit la DAPE de 19 le revenu de placement total se définit comme étant tous les revenus de placement gagnés par la société autres que les dividendes provenant de SCI. Donc, les revenus d'intérêt gagnés au Canada ainsi que les revenus d'intérêt gagnés à l'étranger sont additionnés pour un total de 30 000 Il est inclus aussi dans cette définition-là les gains capital imposables réalisés dans l'année, soit 10 000 ce qui donne un montant de revenu de placement total de 40 000 pour la société. Ainsi, en finalité, la déduction d'impôt général s'applique sur un montant de 220 000 et réduit l'impôt d'un montant de 28 600